Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludos JV, ici Migaoui pour une nouvelle vidéo sur Starfield. Et aujourd'hui nous sommes dans un système, je vais vous montrer le système Eugen 75 de niveau. Et je ne suis pas venu ici, je comprends pas pourquoi il marque 30% d'analyse parce que je viens d'arriver. J'ai même pas été sur aucune planète. Je suis simplement en attente d'atterrir dans celui-là ici. Et je me disais que ça serait intéressant parce qu'il marque une caserne désertée, guerre coloniale. Ou le laboratoire biotique déserté. Je sais pas en fait, peut-être les deux. Je suis en niveau, naturellement, le niveau 59, mon personnage. Et en ce qui concerne la planète, encore une fois, c'est le niveau 75. Moi, on va atterrir. Est-ce qu'on atterrit? Avant d'atterrir, je vais vous montrer ici. Bougez pas. Je suis... Allez, on sort de là, mes amis. Je suis niveau... Attendez une minute. Option, voilà. Jouabilité, très difficile. OK, difficulté. Donc, je reste toujours à très difficile. Je le change des fois pour les vaisseaux. Parce que les vaisseaux, je n'ai pas travaillé là-dessus. C'est un des premiers vaisseaux que j'ai eu dans une quête de Walter. Oui, vous savez, le vaisseau qui donne à un moment donné. Puis j'ai beaucoup de stock dedans qui traîne ses planchers. Donc, j'ai pas envie de changer mon vaisseau. Puis j'ai pas envie d'en faire un pour l'instant. Je pensais bien en faire un, puis à un moment donné, je me suis dit, ça me donne à rien, il n'y a pas assez de bataille. On peut aller d'un système à l'autre, puis en général, il n'y a pas vraiment de bataille. Donc, on va atterrir là-dessus, voilà. Et j'ai bien hâte de voir c'est quoi cette affaire-là. J'ai vu une caserne, je ne sais pas si c'est la même type, mais les soldats étaient, puis je pense que j'ai fait une vidéo d'ailleurs avec vous. Si c'est le cas, ça va être une vidéo similaire. Alors, j'espère qu'il va y avoir bien des méchants à tuer, parce que j'aime ça, tuer des méchants. Moi. Mais encore une fois, est-ce qu'il va atterrir? Allez, ça va être une jolie planète avec de la pluie, des orages. J'aime ça. On m'a demandé récemment qu'est-ce que je pensais du jeu. C'est ça? Ah, ben oui. Ah, ça ressemble à une que j'avais faite. Je sais pas. Écoute, on va y aller de toute façon. On m'a demandé qu'est-ce que je pensais du jeu. Je lui donne un 9 sur 10 facile. J'adore ce jeu. Est-ce qu'il y a des bugs? Oui, j'ai pogné beaucoup de bugs. Entre autres, ça a planté à peu près 30 ou 40 fois. J'ai jamais vu un jeu planté de même, d'ailleurs. Mais ça ne change rien pour moi, parce que le jeu est vraiment génial. 1695 planètes. Le contenu est énorme. Naturellement, il faut le trouver, parce que c'est sur des planètes, alors il faut aller d'une planète à l'autre, d'un système à l'autre. J'ai jusqu'à maintenant 588 heures, même peut-être plus maintenant, là, de jeu. OK? Donc, je peux vous dire que le contenu est là. Il y a du contenu en masse. Quelqu'un qui commencerait à jouer aujourd'hui à ce jeu-là, là, vous en avez pour un bon bout de temps. Naturellement, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Moi, personnellement, je n'ai pas commencé vraiment à travailler sur les bases. Très peu. Je n'ai pas vraiment commencé à faire de vaisseaux spatiaux. Les vaisseaux spatiaux que j'ai faits, je vais m'assurer de m'envoyer du bon bord. Repère naturel. C'est bien là. Donc, j'ai pas commencé à faire le vaisseau. Et la raison, en fait, c'est simple. C'est qu'il n'y a pas de combats spatiaux assez. Je veux dire, je dirais qu'il y a peut-être 2 ou 3% des planètes où j'ai été autour, il y avait un problème de vaisseau où je devais me battre. Et en général, le vaisseau que j'ai, il est suffisant. Donc, je n'ai pas vu de problématique avec ça. Et je me suis dit, je ne me casserai pas la tête à faire des vaisseaux. Peut-être que je vais le faire à un moment donné, mais pour l'instant, ça me... J'adore quand il y a des orages comme ça.
La jouabilité est le fun. Le niveau de difficulté, même à très difficile, lorsque tu es rendu comme là, en ce moment, je suis au niveau 59 et j'ai des armes assez performantes. Ah oui, bon, Simonac. C'est une planète avec une bonne gravité. Fait que... Donc, avec des armes assez cheatées, là, comme celle-là que j'aime bien. Mais encore là, j'ai des armes à trouver encore. Celle-là ici, elle est vraiment intéressante. Je l'adore. Une autre arme que j'aime... Ah oui, puis c'est ça. Attends une minute. Ouais, c'est celle-là. J'ai mis des pouvoirs, mais honnêtement, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé que je ne me rappelle même plus qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les avoir. Parce que quand j'y prends, OK, si je prends l'arme qui est là, là, c'est pas, il n'y a pas de problème, je l'ai dans les mains. Mais elle ici, je ne me rappelle plus, en fait. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée comment me servir. Hey, c'est vous dire à quel point je les utilise pas. Hein. Je le sais que je les ai déjà utilisés. Mais je me rappelle plus. Oh. Il est toujours là, lui. Il me suit partout. Donc, le jeu, je l'adore. C'est pour moi un 9 sur 10. Est-ce que ça mériterait un GOTY à cause des bugs? Peut-être pas. Ceci étant dit, le GOTY pour moi, je vais le dire en bon québécois, ça vaut pas de la merde. Pour moi, un prix, OK, puis là, je vais vous le dire avant de rentrer dans la base, là, un prix là, d'un jeu, ça doit être décidé non pas par le public, encore moins par des YouTubeurs populaires ou des journalistes, mais par un panel de connaisseurs, genre une douzaine de juges indépendants qui pourraient juger les jeux honnêtement. Parce que le poids, appelons-le comme ça, le pouvoir démographique, par exemple, des joueurs PlayStation, est trop grand par rapport à, par exemple, Xbox. Donc, il n'y aurait jamais de jeu qui gagne. Il n'y aurait jamais de jeu qui serait uniquement jouable sur PC parce que ben n'y a pas de clan PC, là. Il n'y a pas de guerre entre le PC et le reste. Mais il y a des guerres entre les consoles qui existent. Et pour moi, le GOTY, c'est surfait. Il n'y a même pas de discussion. Les journalistes, comment on appelle ça? Ils ne discutent pas entre eux pour dire ouais, mais pourquoi tu mets lui et l'autre? Non, non, ils font rien là. Fait que c'est monsieur, madame, tout le monde qui décide qui gagne les prix. Et là, je dis monsieur et madame, tout le monde, naturellement, je sais que le vote du public ne compte que pour 10%. Sauf que les journalistes et les YouTubeurs sont du grand public, sont pas honnêtes plus que vous et moi. Là. Alors, en ce qui me concerne, les prix les GOTY, là, ça vaut rien pour moi. Ça m'excite pas le poil des jambes, comme on dit chez nous. Par contre, je vais regarder le GOTY, OK, le GOTY, je vais regarder les Game Awards pour une seule et unique raison. Parce qu'il y a énormément de trailers qu'on va voir. D'après moi, on va voir beaucoup de choses cette année. Alors, ça, j'ai hâte de voir. Là, je ne sais pas, j'ai sacré mon arme. Attends une minute, on va aller chercher l'arme parce que j'aime bien faire... c'est pas là, c'est là. Qu'est-ce que je prendrais? Parce que j'ai mon sniper. Où est-ce qu'il est mon sniper? Es-tu là? Non, il n'est pas là. Où est-ce que je l'ai fourré? Ah, il est là! C'est ça. Je l'ai mis là. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais ça? Je m'en tape. Ça, je ne l'ai pas essayé vraiment. J'ai-tu bien des... Ah oui, j'en ai 5000. Là, je devrais essayer ça. On va prendre ça. On va le mettre là. Et celui-là, que j'aime beaucoup aussi. Non, pas ça que je veux faire. On va... Oups! On va le mettre là. Ça, ben on s'en tape un peu. Ça, on va le placer ici. Puis ça va être beau, je pense. Et on va tester ça tout de suite. Parce que là, il y a bien du monde en bas. Alors, pour finaliser, là, pour moi, avec 500 heures et plus, presque 600 heures de jeu.
Ah! Non, on va prendre lui. Oh yes! Pas crever. On va sauvegarder. Okidoki. Allez. Bam. Je sais pas où j'ai tiré. Mais... Ah. Il y en a un autre là-bas. Ah, il est là. Bon, est-ce qu'on rush? Pas sûr que ça soit une bonne idée de rusher, mais... Oh! Ben, il est venu à moi. Mon Dieu! Wow, t'en voles mon âme! Ah oui, c'est vrai, t'es là, toi. Voyons. J'adore ça. Ah, je vois. Et la petite sauterelle là. C'est pas un gun très puissant, c'est celui que toi à Kilo City a m'emmené là. Oh 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 oh, d'en face. Ok, où est-ce que t'es toi, Atona? Oh punaise, hey, vous avez vu ça? Patlor! Oh, attends, il y a un petit monstre qui s'en vient ici là. Pour t'éviter de... Ben voyons donc, petit monac. Oui, j'arrose. J'adore ça. Allez! C'est en mode très difficile. On s'amuse comme des petits fous. Qu'est-ce qu'il est? Ah, il est mort, Simonac. Je suis désolé, je t'ai pas vu mourir. Wow! Ok, ouais, ça c'est... Attention! Attention!
What the fun? Ok, on va prendre ça. Voilà! Tu es détruit. Il y en a un autre, là, je pense. Il y en avait un autre, là. Il y a du monde à la messe! Simonac! Oh! Oh, attends! Attends, attends, attends! Voilà! Il y en aura pour tout le monde! Oh! C'est quoi ça? Ah. Oh, qui aime pas ça! Oh, qui aime pas ça! Allez! On s'en va se cacher. En tout cas, il faut que je fasse attention ce malin parce que ça, c'est un gun. Si je suis à l'intérieur, là, m'a me faire. M'a me tuer moi-même. Vous avez remarqué que je regarde pas, mais pas du tout, les armes. Bonjour, chérie. Come and dance with me. Allô, tiens-moi. Non, il y a des... il y a quelque chose qui... s'il me tire dessus pendant que je suis là. Est-ce que je peux aller par là, par là, par là? Je ne prends pas de chance. Ok, ça, so, je pourrais peut-être checker. Maître? Ah, je suis pas maître encore, non. Cartouche, aligneur, on prend ça. J'aime ça faire sauter tout ce qui est sauté. Voilà. Bon, de ce côté-ci, je pense qu'on est clean. Passer par l'autre bord. Là, il va y avoir du monde. Ah, ben, c'est pas pire. Personne qui prenait sa douche, là, pendant que j'ai lancé la grenade. Ah, bonjour. J'adore. Ça, c'est probablement la zone, dans toutes les zones qu'on a, là, que je préfère, parce qu'elle est ouverte. On va prendre des balles. On va une petite de balles, là, de munitions. Non, ça m'en tape. Oh, on s'en va. Ouais. Il y a personne ici. Bon. Ils sont en haut, là. Regarde, il y en a un là, là. Perfect. Kit de soins. On s'en va. Ah, écoute, j'ai eu dans la tête. Hop là, cadeau. On approche. Oh, ça bouge. Oh, je suis touché. En tout de là, chérie. À un moment donné, j'ai fait ça, puis la totoche a passé devant moi, puis je me suis fait descendre. Banzai!
Allez, monte, monte. Ah, c'est pas facile. Ah, mon Dieu. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, Simonac, veux-tu lever dans les airs? Ouch. Ah oui, lui, il emmène du monde, les Simonac. Quand t'arrives dans le coin ici, là, c'est des méchants. Ouais. Balance ta grenade, tu veux ma cocotte. Oups. En dedans ici, il y a du monde. Il y en a un qui est de niveau assez élevé normalement, je pense. C'est la deuxième fois que je vois ça, que je fais cette base-là. C'est vraiment une base que j'aime beaucoup. Oh. Ouais, lève la tête. Merci. C'est trop tard, tu viens de gaspiller une bombe, là. Bon, ok. Là, il va y avoir du monde là-dedans. On va. Eh mon Dieu, t'es cul par-dessus tête, toi. Non, je vais pas prendre ça. Tarla. Non, c'est pas grave. Manque vider les poches. Les doigts dans le nez. Ouais, mais mets-toi les pas dans le derrière. Wouhou! Et c'est une surprise, Porky! J'adore ça. Hey, Sarah! T'es comme les nuisibles, toi. T'es trop dans le chemin. Oh, c'est ça que je disais. Ouais, où ça? Voilà! C'est lui, là, regarde. 94. Tasse-toi, Totoche! 75, niveau 60. Ouais, il est où, lui? Montre-moi ce que t'as dans le ventre. J'adore ça. Allez! Bon! Punaise! Faut nettoyer, passer le balai. On n'en parle plus. C'est quoi t'avais, toi? Ben, t'as des crédits. T'as ça. Ça, j'en veux pas. J'en veux pas. Puis c'est juste ça que t'avais. Ah, de toute façon, on n'en a plus besoin. Parce que je vais sûrement faire un saut dans le NG+, le New Game Plus à un moment donné. La céréale. Tu te promènes avec ça, toi? Ah, mon Dieu! Ben écoute, on va aller voir parce que là, il y a un vaisseau qui est venu. Parce que d'après moi, ça va être une visite supplémentaire. Personne n'y a même pas ouvert, Simonac. Ben écoutez, les amis, je pense qu'on a nettoyé la place. Juste aller voir dans ce coin-là. Là. Bon, ben tab, ouais. Sors de là! Ah ouais! Sors de là! Va te faire sauter ton espèce de vaisseau. Tiens, toi! Pronostic amélioré, empoisonnement. Oui, je suis malade, il faut que j'aille à l'hôpital. Bon, ben écoutez, les amis, en définitive, j'aime beaucoup ce jeu-là. Il va y avoir du contenu qui va arriver. Wouhou, feu d'artifice. Il va y avoir du contenu qui va arriver à un moment donné. Naturellement, moi, après 588 heures ou 600 heures, pas loin, là. C'est sûr que j'ai fait le tour.
Mais, comme je disais, je n'ai pas encore commencé de faire les vaisseaux, mais il n'y a pas assez de batailles pour moi dans l'espace. Je n'ai pas vu vraiment, à moins qu'il y ait un moyen de configurer le jeu pour avoir plus de vaisseaux. Et j'ai des bugs en ce moment. Les vaisseaux qui atterrissent comme ça, là, pour emmener des. Vous savez, oh, un petit 80 points. Wow, j'aime ça. Oui, les vaisseaux qui atterrissent qu'on peut aller voir parce que normalement ils vont s'ouvrir, mais ils ne s'ouvrent jamais. Donc, c'est un bug que j'ai. C'est plate, mais c'est comme ça. Alors, pour finaliser tout ça, oui, j'adore le jeu. Il mérite un 9 sur 10. Est-ce qu'il mériterait le GOTY? Écoutez, encore une fois, moi, le GOTY, je m'en tape. Je crois pas au prix. Parce qu'il y a des jeux que j'ai eu du plaisir, puis jamais, jamais la qualité du jeu aurait été suffisante pour gagner un prix, quoi que ce soit. Mais j'ai eu tellement de plaisir avec. Écoutez, je pourrais vous en nommer une liste, mais ça ne me tente pas. Fait que c'est ça, mon. Je parle entre autres. Un crédit. Un point d'XP. Entre autres, sans colonne. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Naturellement, il ne gagnera jamais en 1000 ans un prix. Mais c'est comme ça. Alors écoutez, faites-vous le juge de ce jeu-là. Moi, je l'adore. What the fuck, des lettres en colis. Des épices puis de l'enduit. Alors écoutez, c'était Amigaoui pour Ludos JV. J'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. On se revoit pour une prochaine dans Starfield ou autre. Je ne sais point. Et je vais regarder. C'est quand? C'est le 7 décembre. C'est dans pas long. Dites-moi si ça vous intéresse que je sois en live pour regarder le GOTY avec vous. On ne sait jamais. Ça pourrait être intéressant. Ben, pas le GOTY en fait, mais regardez toutes les news qu'il va y avoir durant la soirée. Alors écoutez, c'est Amigaou encore une fois pour Ludos JV. Ciao, ciao. N'oubliez pas le pouce bleu, les commentaires. Naturellement, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et la petite clochette pour être averti de toutes nos prochaines vidéos. Bye bye.